Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver, comme à chaque fois, avec aujourd'hui encore un vélo d'exception dans des conditions un petit peu de tempête. Désolé pour le son, il y a énormément de vent. Et aujourd'hui donc, nous avons l'Orbea Oyz, et c'est pas n'importe quel Oyz, c'est le sommet de gamme des cross-country chez Orbea. Allez, c'est parti pour le test. L'essai de ce Orbea Oyz, la série cross-country du constructeur ibérique, avec un très très joli vélo une nouvelle fois, prêté toujours par les mêmes, Cycle Espresso, Seb et Alex, merci encore de me permettre de faire tous ces merveilleux essais avec des vélos d'exception. Cet Orbea ne déroge pas à la règle. Avec ce Oyz, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement efficace, d'un rendement fou. Pour un VTT, c'est quand même assez surprenant. Au moindre coup de pédale, on est propulsé vers l'avant. Alors la position est quand même assez typique des coureurs, hein, avec une position extrêmement vers l'avant, très compacte, très ramassée, très agressive. Pour autant, elle est plutôt confortable et on a la chance d'avoir au niveau du confort une manette qui comporte trois positions pour le réglage des suspensions, et ce au niveau du guidon. C'est tellement génial et c'est vraiment ce qu'il me manque terriblement sur le Rise. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'essai que vous retrouverez ici. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis cet accessoire extraordinaire sur le Rise M10 qui permettrait de bloquer les suspensions lorsqu'on en a besoin. En tout cas, sur le Oyz, c'est présent, c'est très efficace. Il y a deux crans, deux niveaux, on peut choisir de bloquer totalement, et là je peux vous assurer que ça devient vraiment un bout de bois, à tel point que je me suis surpris à vraiment atteindre des vitesses que je n'avais pas l'habitude d'atteindre dans les chemins. Je suis passé plus de 50 à l'heure à certains endroits. 40. Et aussi, bien sûr, sur les transitions sur la route, ça peut arriver de temps en temps. Ça se passe très bien, c'est vraiment un très bon rendement, avec des pneus, avec des crampons quand même pas trop proéminents, donc ça freine pas trop. Et c'est vraiment agréable, je pense même qu'en hiver, on peut poursuivre un entraînement de route avec ce type de machine, sans être trop dépaysé. Bon, si je rate le chemin, c'est pas bon. Alors est-ce que c'est celui-ci ou le suivant? Non, ça doit être celui-ci. Allez, on y retourne. Ça va pas rester sur le goudron. C'est pas marrant avec un vélo pareil. Ouh, le vélo là. Ça va, je ne me suis pas trop mouillé les pieds. Alors en Haute-Loire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le pays de l'enduro. C'est là que j'ai fait mes premières armes en enduro et en cross, il y a très très longtemps. Et voilà le type de chemin qu'on rencontre. Alors honnêtement, là je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec mon Rise M10. Et son petit moteur. Bon, ça monte avec le Oyz, mais faut s'employer. Un petit tour d'horizon quand même du vélo. L'équipement est tout à fait pléthorique.
manette XT, dérailleur XTR, avec les suspensions Fox Factory, bien sûr, le traitement Kashima également. Enfin bref, il y a absolument tout. Sachez que ce vélo est disponible en deux versions. Une version 100 mm de débattement pour la course et une version 120 mm qui est, à mon avis, assez intéressante car elle procure une polyvalence encore plus grande, en particulier dans les descentes où c'est vrai que 100 mm ça peut parfois être un petit peu juste. Alors dès que le sol est un petit peu plus lisse, je bloque les suspensions. Par contre, quand ça devient plus chaotique, qu'il y a vraiment, comme là, des petites irrégularités de terrain prononcées, au-delà de 5-10 cm, des rochers, des racines, là par contre, même si je perds un petit peu en rendement pur, en débloquant les suspensions, je préfère parce que je conserve plus de motricité et au fin de compte, ça reste plus efficace. Par contre là, vous voyez, je vais rebloquer parce que là, c'est plus lisse et là, je gagne un tout petit peu en rendement et là, Dieu sait s'il faut bien tout. Pour le reste, rien que du très classique, j'en reviendrai pas sur les développements, hein, le 34 dents à l'avant et puis 11-51 à l'arrière en 12 vitesses, maintenant bien connu. Le freinage est confié au Shimano XT avec deux disques qui remplissent parfaitement leur office, si ce n'est que, c'est comme toujours chez Shimano, je regrette presque un tout petit peu de mordant supplémentaire. Alors c'est très progressif, très doux. Bon, après c'est une question d'habitude, hein. Si on fait un effort un petit peu supérieur sur les leviers, ça freine très très bien. Le reste de l'équipement est à l'avenant. Alors pour les roues, suivant les millésimes, il y a quelques petites variations. Là, je suis équipé avec des Mavic Crossmax Carbone. J'adore ces roues, vraiment elles sont très vives, très légères. Mais il arrive aussi, je crois que sur les modèles qui vont être livrés en 2023, que ça soit des DT Suisse et également en carbone, en tout cas sur le modèle que j'essaye, c'est-à-dire le sommet de gamme des Oiz. Sommet de gamme, oui, parce qu'il existe d'innombrables modèles. Je vous en mets quelques-uns à l'image et vous pouvez choisir à la fois en fonction de l'équipement et aussi bien sûr du prix. Parce que là, il faut bien en parler, et on est là encore sur des vélos qui commencent à taper fort, on avoisine les 10 000 euros. Il y a aussi la version M10 qui est très très bien. Je pense que c'est certainement un des meilleurs compromis qu'on puisse trouver, un peu autour de 6 000 euros. Alors si on oublie un petit peu le prix, je voudrais quand même revenir sur les sensations que procure ce vélo. C'est vraiment extraordinaire, c'en est même grisant. On a des relances qui sont tellement efficaces, un rendement qui est vraiment formidable. On a des vitesses qui sont rapidement atteintes et facilement tenues. Alors il ne faudrait pas croire qu'il se limite au chemin très roulant. Vous avez pu le voir sur les images, on peut aussi s'aventurer en forêt, dans des endroits beaucoup plus escarpés. Le vélo encaisse bien. Mais il ne faut pas se tromper, ça reste quand même un vélo de cross-country, de XC. C'est vraiment un vélo fait pour rouler sur des chemins rapides, avec un engagement total d'un point de vue physique. Et ce n'est pas non plus un enduro. Et c'est peut-être là la vraie limitation de ce vélo, la seule, c'est le choix de sa pratique. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus en montagne, sur des singles escarpés, ou des vélos type all mountain, voire même enduro conviennent mieux. Vous voyez que le Oiz peut vraiment faire déjà beaucoup beaucoup de choses, mais il ne faut pas non plus se tromper de destination, ça reste quand même un cross-country. Alors peut-être quelque chose qui va vous intéresser, on va parler plus précisément de rendement. J'ai ma montée fétiche, ma montée étalonnée, la voûte Ali. Il s'agit d'une montée qui fait 6,85 km, 530 mètres de dénivelé, à presque 8% de moyenne. Je suis monté en 38 minutes 22 à 10,7 km/h de moyenne, 828 m/h et à 152 pulses. Par comparaison, j'ai mis 40 minutes 19, vous voyez que c'est pas beaucoup plus avec donc le M10 sans moteur.
moteur, hein, bien sûr, j'entends, parce qu'avec moteur, je vais beaucoup, beaucoup plus vite. Vous voyez que la différence n'est pas forcément énorme. Et par contre, je vous mets aussi à l'écran ma montée record, là, pour le coup, en vélo de route. C'était avec le Colnago que j'ai essayé dernièrement. Là, j'ai mis 33 minutes. Vous voyez que là, la différence est quand même beaucoup plus conséquente qu'entre les deux VTT, le musculaire et l'électrique. On voit bien que les vélos de route vont quand même beaucoup plus vite. Ça vous donne peut-être une idée plus précise du rendement de ces différents vélos. Alors en conclusion, c'est vrai que cet Orbea Oi, c'est un vélo très typé, hein, c'est un vélo de course, de cross-country. Alors sur des chemins roulants comme là, c'est vraiment un vélo extrêmement efficace, très agréable. Quand on voit maintenant ce que passent les compétiteurs de haut niveau en cross-country, on se dit que ces vélos sont quand même capables de faire beaucoup beaucoup de choses, y compris de se mouiller les pieds. Et bien les amis, voilà la conclusion du test de ce Orbea Oi. J'espère que ça aura pu vous donner des bonnes indications sur le choix de votre prochain VTT. Ne vous trompez pas de cible, c'est un vélo quand même assez typé course, qui a un rendement extraordinaire, mais qui sera peut-être un petit peu moins à l'aise dans les passages plus techniques. En tout cas, il faut un sacré bon niveau de pilotage pour l'exploiter complètement. Bon les amis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux tests, de nouvelles aventures. N'oubliez pas, abonnez-vous. Merci beaucoup de votre fidélité et à très vite. Ciao !